Alors l'atelier d'aujourd'hui consistait en mettre en place des habitats pour la biodiversité. On sait que la biodiversité est en érosion totale. Une des raisons, c'est le manque d'habitat, la destruction des habitats. Donc on ne devrait pas avoir à mettre en place tous ces habitats-là. Et donc, dans son jardin, on peut créer un milieu favorable à la vie sauvage en offrant le gîte et le couvert. Donc le gîte, c'est ce qu'on a construit ici. Le couvert, ce sera des fruitiers, un jardin qui n'est pas trop tondu, des fleurs, donc la nourriture pour la faune sauvage, les insectes en tout cas. Ah ben ça c'est, je dirais, peut-être bien la 15e fois déjà. Quoi. Ça a beaucoup de succès en fait. Oui, à chaque fois, on a de plus en plus de succès, de plus en plus connu. Je pense qu'il y a aussi le citoyen qui est de plus en plus sensibilisé, qui a envie d'agir. Et c'est une manière relativement simple et ludique de mettre en place avec les enfants ou sans des mesures favorables à la biodiversité dans son jardin. Quoi. Ça fait partie du maillage écologique. Je dirais les deux, il y a une espèce d'urgence là où il faut absolument qu'on agisse. Par passion pour la vie sauvage, pour la nature, et donc c'est une bonne manière de l'aider. Et aussi par passion du lien social, et donc ça permet effectivement de faire rencontrer des gens, de faire du lien social. Donc, c'est très abordable, donc ça permet à tout le monde de pouvoir agir. Alors, c'est un jeu de mots évidemment, hein, donc l'évidence, parce que je pense qu'on doit mettre en place tout ce qu'on peut pour toutes les vies, toutes les formes de vie. Hein. Il n'y a pas que l'être humain, il y a toute la faune sauvage, donc on a besoin de tout ça. Et c'est un jeu de mots, l'évidence qu'il faut qu'on agisse le plus vite possible et tous ensemble.